saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. À Dieu soit la gloire par son grand amour. En mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé Jésus, Jésus, à ma place de mourir, la voix, il m'offre sa grâce et cela. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh, au je s'appelle Jésus. De Jésus, la voix remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bon selon sa promesse de Jésus changera. De y'en aller, reste bon qui. Gloire à Dieu, 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 hé hé. Je ne sais pas le jour. Je ferai de moi des ennemis. La lumière. La lumière de mes années nombreuses. Ce sera. Ce sera. Ce sera. Ce sera. Ce sera la gloire, oui, ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres. À cette heure, ce sera la gloire pour moi. Alléluia. Je n'entends pas ton amen ce soir. Que Dieu te bénisse, Église. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. Nous allons enseigner ce soir sur le thème maranatha. Et nous allons continuer à partir de demain sur les clés. Et nous revenons sur maranatha pendant notre semaine d'anniversaire. Parce que ce sera le thème fort de notre troisième anniversaire de la Chapelle de la Grâce. Tu peux continuer à partager, même pendant le culte, à inviter, s'il te plaît, nous, avec tout ce qui se passe. Et lorsque tu vas lire Matthieu chapitre 24, tu comprendras que le Seigneur est sur le point d'arriver. Et les signes sont évidents. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'être prêts. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas la parole profonde qui touche les cœurs. Certains pensent que c'est des attaques personnelles. Église, qu'est-ce qu'on gagne à venir vous attaquer avec la parole? Nous prêchons pour votre salut, pour votre délivrance, pour votre élévation et non pour votre humiliation. Toutes les fois où nous prêchons, notre plus grande joie, c'est de vous voir évoluer, c'est de vous voir grandir, c'est de vous voir être délivré. Alléluia. Maranatha, nous avons dit mais dimanche passé, lorsque nous voulons parler de Maranatha, il y a deux explications. La première explication, c'est lorsqu'on le divise en deux mots, c'est-à-dire Maran et Atta. Lorsqu'on dit Maran et Atta, ça veut dire en français, notre Seigneur est venu. Ça veut dire en d'autres termes, Jésus est le Seigneur. Et lorsque tu dit notre Seigneur est venu, ça veut dire qu'il t'a déjà rendu ministère. Ça veut dire qu'il t'a déjà délivré.
Ça veut dire qu'il a déjà agi dans ta vie. Donc la première expression quand tu dis Maranatha, c'est parce que tu as déjà reçu une touche de ce Dieu. Tu as déjà reçu une transformation de ce Dieu. La grande question que j'ai à te poser ce soir, est-ce que ton Seigneur a déjà agi dans tes émotions? Est-ce que ton Seigneur a déjà agi dans ton passé obscur? Est-ce que ton Seigneur a déjà agi par rapport à ce péché que tu entretiens depuis 5 ans? Donc lorsque tu dis premièrement Maranatha, c'est pour dire le Seigneur est arrivé dans ma vie et il m'a délivré de ce péché. Lorsque l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, qui me délivrera de ce corps de chair? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je veux pas faire, je le fais. Premièrement, mais à la fin, il dit, si je vis désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ vivant qui agit à moi. Au départ, la chair le poussait à faire le mal, mais lorsqu'il a reçu ce Dieu qui a travaillé dans son âme, dans son esprit, il pouvait confesser autrement. Nous avons expliqué, Église, que le tout n'est pas d'accuser, le tout n'est pas de renvoyer la faute sur Dieu, sur l'autre, sur le diable, mais de demander au Seigneur de venir, qu'il s'installe dans nos cœurs, dans nos vies. Toutes les raisons que tu peux donner pour justifier ton mal, ton péché, ne va jamais te qualifier. Si tu es dans le faux, si tu es dans la méchanceté, si tu es dans l'impudicité, si tu es dans le mensonge, le salaire du péché, c'est la mort. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur te le dise. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te le rappelle. Ça doit être inscrit dans ton esprit parce que tu es né de nouveau. Un enfant né de nouveau doit connaître la loi de Dieu dans son cœur, doit connaître les prescriptions de Dieu dans son cœur et doit se battre avec ces choses afin que le Seigneur lui-même vienne. C'est une affaire personnelle. Et on a remarqué, Église, que plus nous parlons des autres, plus nous oublions nous-mêmes. Le problème, c'est tel. Mon problème de ma famille, c'est tel. Le problème de l'Église, c'est tel. Et toi, tu as quel niveau? C'est comme je disais tout à l'heure, une jeune fille zélée qui dit, avec nos soi-disant hommes de Dieu. Elle ne voit pas les soi-disant chrétiens, mais elle parle des soi-disant hommes de Dieu. Le mépris, l'arrogance. L'arrogance. Et quand elle parle, elle est sûre d'elle. Mais c'est qu'elle ne sait pas. Elle est à côté. Quand tu as réellement reçu ce Jésus dans ta vie, il te rend humble. Tu ne peux pas dire à un homme de Dieu, soi-disant homme de Dieu, je vais te dire, Église, faux homme de Dieu est un homme de Dieu. Faux serviteur de Dieu est un serviteur de Dieu. Ce n'est qu'à la fin qu'il va séparer le bon du mauvais. Mais si tu maudis, si tu insultes, si tu méprises le faux serviteur de Dieu, Dieu te détruit. Donc Dieu n'a jamais dit à un chrétien, parce qu'il est faux, alors insulte-le. Faisons attention. Noé était un faux serviteur de Dieu d'après toi parce qu'il a bu, il a saoulé, il était impudique, il était dans la débauche. Mais Noé maudit Cham et ça a marché. Noé était dans l'erreur. Mais le faux Noé a maudit. Le vieux prophète était dans l'erreur. Mais ce que le vieux prophète a fait a détruit le jeune. Faisons attention, Église. Faisons attention. Donc, lorsque nous prenons Maran et Atta, ça veut dire notre Seigneur est venu. Mais la deuxième explication, Marana et Ta, c'est Seigneur vient. Et c'est pour ça que les Adventistes, c'est un slogan chez eux, ils disent Jésus revient bientôt. Ça, c'est une autre définition. Mais là, nous allons parler de Jésus revient bientôt ce soir. Et dans les autres enseignements, nous allons parler de Jésus, Seigneur vient. Jésus revient bientôt ce soir est notre thème. Et pour cela, nous allons lire dans Matthieu chapitre 24. L'une des choses qui prouve qu'il est en train de venir, c'est la distraction qui entre dans l'église. De plus en plus, pasteurs, prophètes, apôtres, chrétiens, anciens, diacres, ouvriers dans l'église, nous sommes dans la distraction. Aujourd'hui, avec Internet, dès qu'un buzz arrive, tout le monde passe la journée sur ce buzz et les gens oublient même qu'ils doivent prier. Les gens oublient qu'ils doivent laver leur robe.
Les gens oublient qu'ils doivent se préparer l'huile pour leur lampe. Et généralement, les gens sur qui on tire, on ne sait pas ce qu'ils font dans le secret. Pendant qu'ils prient, on ne connaît pas comment ils retissent leur alliance avec Dieu. Mais pendant ce temps, on se discrète avec leur vie. Matthieu chapitre 24, je commence au verset 36 et je reviens au verset 1. On va lire par la grâce de Dieu tous ces versets et Dieu va nous éclairer ce soir. J'invite encore ceux qui sont connectés à partager, inviter, afin que le Seigneur puisse agir ce soir d'une manière spéciale. Jésus frappe à votre porte, ouvrez-lui aujourd'hui. Matthieu chapitre 24, les musiciens sont où? Verset 36. Il est écrit. Appelez rapidement les musiciens, s'il vous plaît. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, Dieu est passé par Noé pour dire entrer dans l'âge. Et ils étaient en train de marier leurs filles, de boire leur vin, d'aller dans leur débauche, de critiquer même Noé pendant que Noé faisait l'âge. La distraction. C'est quoi la distraction? S'occuper de la vie des autres et oublier sa propre vie. Ça, c'est ma définition. Donc, note ça. Définition selon Révérend Posant. Même si c'est faux, c'est vrai. Même si tu n'étais pas là, c'est vrai seulement. C'est quoi la distraction? S'occuper de la vie des autres et oublier sa propre vie. Se concentrer sur le péché de l'autre et oublier son propre péché. J'ai remarqué quelque chose. La plupart de ceux qui savent parlent seulement, mais ne font jamais. Hey, ils connaissent ce qu'on doit faire, mais ils ne le font jamais, mais ils parlent seulement. C'est la distraction. C'est la raison pour laquelle la plupart des livres les plus instructifs sont les livres de ceux qui ont pratiqué et non de ceux qui ont pensé. À une époque, les philosophes servaient à quelque chose, mais depuis quelque temps, on a besoin des gens qui expérimentent. Des gens de terrain. Jésus n'est pas resté au ciel et parlé. Il est descendu sur la terre. Il a touché la boue. Il a touché la poussière. Il a touché la croix. Il a touché même la tombe. La distraction est dans l'église. La distraction est dans les cœurs des chrétiens. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Il n'y a que le Père qui le sait. Et il n'y a que ceux qui ont l'esprit du Père qui peuvent être connectés au Père. Arrête de parler des autres. Parle de toi. Arrête de parler de la famille des autres, de la maison des autres, des églises des autres. Parle de ton église. Parle de ton comportement. Parle de tes habitudes. Est-ce que d'ici le début de l'année jusque là, tes habitudes sont exemplaires? Tu te reproches de rien? Ce n'est que les autres qui sont méchants. J'ai pas compris ce qui se passe avec les enfants de Dieu. Maintenant je comprends parce que c'est la fin des temps. Mais si nous pouvons encore sauver quelques personnes par notre message, que le Seigneur le fasse. Mais ne soyez pas surpris que dans l'église, des gens s'enfoncent de plus en plus dans la distraction. Même des hommes de Dieu. Ils parlent avec une telle énergie des autres. C'est-à-dire que quelqu'un parle, l'autre, les veines sortent sur la tête. Il n'est même pas sûr que son enfant mange à la maison le soir. Mais il s'assoit dans un bar pour critiquer l'autre. Il dépense ses 250 ans de crédit qu'il a prêté Orange pour insulter l'autre. Il oublie qu'il va rembourser ça encore. Comment tu peux prendre un prêt pour quelque chose qui ne produit pas? Comme quelqu'un qui va prendre le prêt pour acheter l'habit et le prend le prêt pour construire la maison. Et l'habit là, c'est pour se comparer aux autres. Hein. Et tu arrives comme ça dans un prêt à porter, tu vas prendre l'habit de 200 000 en prêt. Alors tu vas te comparer avec tes collègues. On appelle ça malédiction plus plus. Et en dehors de malédiction, c'est même malédiction. La distraction. La distraction dans l'église. Il y a encore un comportement. Il y a encore une habitude. Il y a encore un mauvais esprit là qui t'anime. Prions le Seigneur qu'il te délivre de ça. Profitons pendant qu'il est temps pour laver nos robes.
chacun individuellement. La Bible dans le chapitre 25 parle des 10 vierges. Toutes étaient vierges. Elles n'étaient pas comme toi qui ont connu l'homme à 10 ans, dans papa et maman. Elles étaient vierges. Elles n'étaient pas comme toi qui aimais films pornographiques. Elles étaient vierges. Mais parmi les vierges, certaines étaient folles. Les folles, c'est celles qui ne savent pas se préparer. Une journée entière, tu la gaspilles pour parler de quelqu'un qui n'a pas ton temps. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour voir comment la personne que tu critiques là avance, tu devrais pleurer sur ton sort. Quand j'entre en première C en 2001, notre professeur de maths, premier cours, il dit, comme vous avez essayé de faire la C, fini le sommeil. Et toutes les fois où le sommeil veut me prendre, je fais cauchemar que mes camarades sont en train d'apprendre, je me réveille vite. Comme ils apprennent, je dois apprendre aussi. On avait cet esprit de sainte concurrence. C'est ça qui nous faisait travailler. Mais toi, tu fais concurrence pour détruire. Tu fais concurrence pour écraser et non pour avancer avec les autres. Je vois pas des gens à l'église qui disent, Seigneur, que le don que le frère a là, j'ai là aussi. Que la grâce que la soeur a, j'ai là aussi. Non. C'est-tu que c'est vraiment le don? Justement la grâce. Tu n'as rien à faire avec ta bouche. C'est vraiment l'église de quoi? Ça va? Église de quoi? Prière de quoi? Onction de quoi? Délivrance de quoi? Hey, chrétien, tu passes le temps à faire ça. Distraction. Nous avons passé toute une journée aujourd'hui sur un sujet que le Seigneur a déjà peut-être traité. Mais les hommes sont encore en train de débattre. Il n'y a que Dieu qui a la conclusion sur l'affaire. Mais les hommes sont encore en train de se battre. Sur Internet. Pourquoi le diable peut-il réussir à nous distraire autant alors qu'on parle du Saint-Esprit? Et ma soeur qui est servante de Dieu me disait hier, yeah, elle me dit, mon révérend, ce que les gens ne savent pas, qu'il y a une différence entre la sorcellerie et le satanisme. La sorcellerie, c'est les choses qu'on fait la nuit, à 3 heures du matin, dans le secret, ainsi de suite. Mais le satanisme, c'est ce qu'on fait en pleine journée. Et ce qu'on fait actuellement dans l'église, ce n'est pas la sorcellerie, c'est le satanisme. Où les gens peuvent se détester face à face. Ils se regardent, ils savent qu'ils se haïssent. Ça, c'est le haut niveau du satanisme. Le franc-maçonnerie, c'est rien, laisse ça. Côte à côte, on ne s'aime pas. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse avec la bouche. Mais là, mon cœur qui te maudisse, s'il te plaît. Mon frère, que Dieu t'élève. Mais dans mon cœur qui te rabaisse, s'il te plaît. Voilà le satanisme dans l'église. Le satanisme. Dans le corps de Christ. Et personne ne peut se réveiller et dire non. Personne ne peut se dire non. Ça doit s'arrêter à mon niveau. Quand incendie est créé par rapport au courant, pour arrêter l'incendie, il faut couper la source. Quand l'incendie est créé par rapport à une bouteille de gaz, il faut aller fermer à la source. Si nous ne venons pas à la source de nos problèmes là, qu'on ne fait que distiller aux autres là, nos mauvais comportements là, ça ne va pas s'arrêter. Et pour cela, individuellement, personnellement, singulièrement, chacun doit se retourner vers lui-même et dire, non Seigneur, je ne suis plus d'accord avec ma façon de faire. De temps en temps, les gens avec qui vous marchez, dites-leur sincèrement. Posez-leur des questions sincères en leur disant, qu'est-ce que tu peux me reprocher? Quelles sont mes mauvaises habitudes? Arrêtez de prendre seulement les appréciations. Ça ne va pas vous aider. Une personne qui n'écoute pas est orgueilleuse. Et la Bible déclare, l'orgueil est la dernière case après laquelle vient la chute. Quand ton pied est déjà sur la case de l'orgueil, c'est-à-dire tu n'écoutes plus, tu es sûr de toi, tu vas chuter. Et la chute, c'est le diable qui va t'accueillir. Il y a tout un gouffre après la case de l'orgueil. Je suis sûr de moi. Et quand ça éclate, on accuse les autres. On accuse le monde. On accuse les détracteurs. Alors que nous sommes nos premiers détracteurs.
que ce qui se passe dans la vie des autres nous enseigne. Si tu as vu ton père chuter à cause de l'orgueil, ça veut dire que c'est dans ton sang. Si tu as vu ta mère chuter à cause de l'impudicité, ça veut dire que c'est dans ton sang. Si tu as vu quelqu'un de ta famille mourir à cause d'un péché, ça veut dire que c'est dans ton sang. Combat contre ça. Combat contre ça. Ce que tu vois tes frères faire, même si pour le moment tu ne fais pas encore, combat. Ne parle pas des autres. Parle de toi. Parle de ta famille. Parle de ton église. Parle de ton comportement. Parle de ton pays. Tu es déjà parfait. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire que, il y a un processus de formation. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme avec la parole. Mais il a formé l'homme par un processus. Il a réuni la poussière, il a commencé à mettre jusqu'à ce qu'il a soufflé. Pour la femme, il a enlevé la côte, il a commencé à former. La création est facile, mais la formation n'est pas facile. La nouvelle naissance, c'est je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et après ça, vient la formation. Naissance d'eau et d'esprit. Beaucoup sont nés de nouveau, très peu sont nés d'eau et d'esprit. Le titre de né de nouveau, comme quelqu'un me disait tout à l'heure sur Internet, il insultait certains hommes de Dieu. On était là, on riait. Oh, je suis en formation, c'est un homme de Dieu qui est vrai, qui est saint, et non vous les escrocs. J'ai dit, dans ta même Bible, ton formateur ne t'a pas dit que le cœur de l'homme, dans Jérémie 17, verset 9, est tortueux et méchant par-dessus tout qui peut le connaître. Donc même ton formateur peut être malsain, tu ne sais même pas. La formation, c'est un processus. Toute personne qui n'accepte pas la formation vivra la déformation. Tu refuses qu'on te forme. Ma soeur servante de Dieu me disait encore hier, aujourd'hui, elle me dit, homme de Dieu, est-ce que tu sais que le diable est arrivé au point où les petites choses dans l'église, les gens les négligent? Et c'est là où le diable le détruit. Il dit, remarque, dans l'église, les premières places, on laisse parfois vide pour certaines personnes. Et lorsqu'elles arrivent en retard, elles distraient les autres. Au lieu que les gens se concentrent sur le message, on va regarder qui est entré. Et la personne entre avec une jupe et des talons bizarres. Et pendant ce temps, l'esprit de la personne qui la regarde est déconnecté de la parole. Le diable s'est installé dans le cœur. Des petites choses que les gens négligent. Des petits renards qui embrasent de grandes vignes. Si tu refuses la formation, tu vivras dans la déformation. Beaucoup de personnes refusent. Tu as été baptisé. Tu es arrivé à la chapelle de la grâce. Tu nous écoutes, mais tu prends ce que tu veux. Tu obéis à ce que tu veux. Tu te soumets quand tu veux. Mais tu n'es pas dans le processus. Et c'est dangereux. La fin des temps, ce n'est pas pour les gens comme toi. Nous allons lire rapidement ces versets et tu vas comprendre quelque chose. Dans Matthieu chapitre 24, on va lire les versets. La Bible dit qu'il va perdre plusieurs. C'est possible que le diable perde plusieurs qui sont déjà dans l'église, nés de nouveau. Tous ceux qui sont nés de nouveau n'entreront pas au ciel. C'est ceux qui seront nés d'eau et d'esprit. Pourquoi? Jean chapitre 3. Il dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir. Naître de nouveau te permet de voir à distance. Tout ce qui voit ne touche pas. Tout ce qui voit ne possède pas. Ah, j'ai vu ma femme dans les rêves. Elle est où aujourd'hui? Je me suis vu à New York. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Étant Bafia. Je me suis vu madame le président, madame la sénatrice, madame, tu fais quoi dans là où tu es là? Le tout n'est pas de voir. La prophétie te permet de voir. La nouvelle naissance te permet de voir. La prédication te permet de voir. Mais l'enseignement te pousse à posséder. L'enseignement qu'on met en pratique
Combien de fois tu as vu dans tes rêves? Je me suis vu prêcher dans un stade. Oh, quel prédicateur, mon apôtre n'a pas encore vu la qualité de révélation là. Je me suis vu prêcher dans un stade. Il y a même des gens qui m'ont dit, c'est pas faux, hein. Mais ta prophétie ne va jamais s'accomplir dans ma vie si elle ne pas la formation. Le stade là n'est pas dans n'importe qui. Dieu ne donne pas stade à n'importe qui. Satan peut donner, mais pas Dieu. Parce que tu peux venir convertir foule dans les stades, toi-même tu vas en enfer. Pourquoi? Il dit dans sa parole, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dit, moi je ne vous ai jamais connu. Il ne connaît pas les déformés, il connaît ce que lui-même l'a formé. Jésus a pris 3 ans pour parler à ses disciples. Et après, il est encore revenu prier pour eux. Et après, allez attendre dans la chambre haute. Le Saint-Esprit descendant, pas seulement pour vous baptiser, mais aussi pour vous enseigner toutes choses. Combien de personnes sont dans la semaine du Saint-Esprit ici? L'enseignement du Saint-Esprit, ce n'est pas là où c'est beau. Ce n'est pas là où on acclame. C'est là où ça fait mal. Seigneur, comment tu me dis faire ça? Oui, fais. C'est là où tu vas faire. Là où tu dis que tu ne peux pas là. C'est là où il t'appelle. Si tu ne nais de nouveau, est-ce que tu peux trouver Jean chapitre 3? Jean chapitre 3, à partir du verset 3, il est écrit. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus dit, c'est pas un pasteur qui a dit. Toute nouvelle naissance te permet de voir. Voir, mais à distance. Un homme de Dieu dit qu'il a eu la vision, il a vu. Et Dieu, Jésus l'a dit, non, tu peux pas entrer, mais rentre, va t'arranger encore. Naissance d'eau et d'esprit. Tu peux prêcher, tout le monde tombe, tout le monde se relève. Mais miracle à gauche, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir témoignage, tu peux avoir mariage, tu peux avoir voyage, mais tu n'es que né de nouveau. Tout ce que tu as expérimenté jusqu'à présent, en refusant que Dieu te forme à son image, selon sa ressemblance. Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence dans l'âme. Renouvellement, changement de pensée, changement de façon de faire, changement de façon de raisonner. Ça, c'est difficile pour les chrétiens. On a le même comportement que les gens sur Internet. Ils insultent, on insulte. Ils méprisent, on méprise. Ils critiquent, on critique. Où est passé le temps de l'amour? Où est passé le temps de la prière? Où est passé le temps de l'exhortation? On est pareil. Pourquoi? On n'est que né de nouveau. Et c'est un titre qu'on a accroché au salon. Je suis de nouveau le 15 janvier 2003. Et puis quoi? Ce titre ne te donne pas la naissance douée d'esprit. Continue. Reprends d'abord la partie là. Jésus lui répondit au grand docteur. En vérité, je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oui. Nicodème lui dit. Ça veut dire en d'autres termes, si tu es de nouveau, tu vois le royaume. Oui. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà la condition pour entrer dans le royaume. La clé pour entrer dans le royaume, c'est la naissance d'eau et d'esprit. Amen. C'est là que ça commence à venir. L'eau, la parole que tu acceptes, tu te conformes. Église, là, ça n'a rien à voir avec affaire de foule. Je causais avec une soeur hier. Elle dit, Dieu passe par une prophétesse pour lui dire, il y a des habitudes que tu as qui ne sont pas bien. Tu vois des choses et tu les laisses entrer dans ton esprit. Elle a commencé à prier, Seigneur, c'est quoi? Dieu lui dit un truc assez banal. Quand tu regardes souvent les films là, les gens s'amourachent et tout ça là, ça entre dans ton esprit, ça te souille. Il dit, hey, Dieu, hey, petit, embrasser, ça fait quoi? Dieu lui dit que toi spécialement, moi je ne veux pas ça sur toi. Tout le monde n'a pas même niveau de consécration. Pendant que tout le monde voit nouvelle à la maison, Dieu ne t'a pas dit de voir. C'est pas affaire de pasteur, c'est pas affaire de prophète, c'est une affaire de toi et Dieu. Tout le monde critique, toi tu as dit ferme ta bouche. Parce que ta bouche est consacrée, sanctifiée. Je veux que ta bouche soit un instrument que je vais utiliser pour relâcher les oracles. Alors prépare ta bouche. Ne commence pas à dire non. Pourquoi est-ce qu'ils exagèrent? Ça, c'est pas prédication. C'est personnel entre toi et Dieu. Et toi, ne parle pas aux gens. Il y a des messages, je ne vais pas prêcher. C'est Dieu m'a dit. Il y a des messages, je vais enseigner aux ouvriers.
Si tu ne respectes pas ce que Dieu te dit, tu ne peux pas être formé. Et qui n'est pas formé ne peut pas tirer, prendre l'arme. Les armoiries de l'État ne confient pas à n'importe qui. Tu n'es pas allé à l'ENIA, tu prends l'arme de qui? Tu prends la tenue de quelle nation? Je suis gendarme. Tu peux être gendarme parce que tu as pris la tenue. Pourquoi on te faut qu'on te donne? On te donne parce que tu es sorti de l'école. L'église n'est pas seulement le lieu de prédication d'émotion. L'église aussi est un lieu de formation. Est-ce qu'après ce temps, tu peux dire, j'ai été formé? Depuis que je suis dans cette église, depuis que je suis ce pasteur, voilà ma formation. Émotif, dès que le message finit, tu as oublié, tu es sur un autre pasteur encore. Ils vont pasteur sur pasteur. Personne ne s'assoit pour assimiler. Dimanche, on a prêché. Après le dimanche, ils ont pris un autre message. Ils disent, non, moi, je suis trop édifié. Tu n'es pas édifié, tu es déformé. Une personne déformée, mal formée encore en même temps. Tu peux t'amuser parce que tu cherches les miracles, c'est bien. C'est bien chercher les miracles. Mais miracle ne donne pas formation. C'est bien. Pasteur qui fait miracle a accepté la formation pour devenir un producteur de miracles. Toi, tu peux même faire plus que lui. Mais tu es là, tu ne fais que courir derrière lui. Dans cette fin des temps, dans la prophétie de Joël, un petit prophète, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Où sont les chairs là? Ce sont les os, les os, tout le monde, les os secs, secs. L'esprit n'est pas répandu sur les os, mais sur les chairs. À la quête des miracles, à la quête des prophéties. Et les gens à l'église, ils sont là. Dieu te connaît comme quelqu'un qui doit faire miracle, prophétie. Tu fais que courir derrière la prophétie alors que tu es un producteur de prophétie. Mais tu ne vas pas produire prophétie si ta bouche, là, ta bouche n'arrête pas de mal parler des gens. N'arrête pas d'insulter les gens. Donc tu ne vois pas que tu es bizarre. Dieu peut t'avoir créé, il savait que tu devais venir sur la terre insulter les gens, combattre les gens, mépriser les gens, critiquer les gens, dénigrer les gens, humilier les gens. C'est ça que Dieu t'a dit. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. En d'autres termes, si tu nais d'eau et d'esprit, tu vas entrer. Amen. La parole et ensuite l'esprit. Lorsque nous relâchons l'onction ici, église, c'est que vous devez vous habituer aux choses de l'esprit. Une église comme celle-ci où l'onction à tous les cultes, vous devez être différent des autres. La présence de Dieu change. Il y a des dimensions où lorsqu'on prêche, il y a des esprits qui résistent. Mais quand les esprits descendent dans ta vie réellement, l'esprit n'a pas seul. Il y a des péchés qui t'ont oppressé. Il y a des péchés qui ont été imposés dans ta vie. Mais lorsque tu reçois l'esprit pendant un culte d'adoration, un culte de puissance, ce péché te quitte, tu ne sais même pas comment il l'a fait pour partir. La sœur a témoigné qu'elle a 4 ans, elle a fait 4 ans de règles douloureuses. Mais l'onction dans l'eau, ça fait 2 mois qu'elle n'a plus de règles douloureuses. Elle n'a même pas su quand c'est parti. Pourquoi? L'esprit, la puissance de l'esprit. Donc pour entrer dans ta bénédiction, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître d'esprit et d'eau. Là, c'est la formation. Les choses de l'esprit ne sont pas comprises par les personnes charnelles. Vos trucs du quartier, vos trucs du village, vos trucs de vos maisons, ça ne marche pas dans l'église. Comme un pasteur peut... Est-ce que c'est biblique ce que tu dis là? Pose la question, est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est biblique ce que le pasteur fait? Ne dis pas ce que toi tu sais. J'ai envie de lire Matthieu 24 parce que c'est un enseignement. On va aller rapidement, je vais lire à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, 2 points. Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Le Seigneur a un problème. C'est qu'il y a des constructions dans nos vies, mais qui n'ont pas été faites par lui. En ces fins des temps, le Seigneur vient pour que chacun de nous se livre et que lui-même, il commence à casser. Ce que ta main a bâti dans ta vie, ce mauvais comportement, laisse le Seigneur casser ça. Amen.
Ce que le quartier dans lequel tu habitais, non, moi j'ai grandi dans un quartier difficile. C'est pour ça que je suis une fille sauvage. Viens à l'église, viens. Ta sauvagerie là, laisse la parole casser ça. Il y a une dimension, le Seigneur ne va jamais t'amener s'il ne casse pas d'abord le mépris que tu as là. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils font seulement être gentils là. Mais le mépris dans le sang. Tu as le mépris, tu sais. Tu attends seulement l'occasion que l'occasion se présente. Tu vas nous démontrer combien tu es méprisante. Laisse le Seigneur casser ça. Il dit, toutes ces grandes constructions, Salomon a bâti, tel a mis la main, tel a mis, ça a coûté les milliards en euros, en dollars. On a mis l'or, on a mis les pierres précieuses. Mais, comme ce n'est pas moi qui ai construit ça, on casse. Il y a beaucoup d'empires que vous êtes bâtis dans vos vies. Il y a des personnalités que vous êtes bâtis. Ce n'est pas Dieu qui a bâti ça. On va casser. Tu ne veux pas casser pas dans l'autre royaume. Mais le royaume des cieux là, c'est lui qui décide. Il dit, serait facile pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que pour une personne d'entrer dans le royaume. C'est difficile. Entrer au royaume est compliqué pour ceux qui n'acceptent pas le brisement. Brisement, dis à ton voisin, brisement. Oh, dis à ton voisin, brisement. Dieu dit à ton voisin, Dieu doit prendre son marteau pour casser les mauvaises habitudes, pour casser les mauvais comportements, pour casser les mauvais sentiments, pour casser la mauvaise bouche. Et si les dents partent avec, dis ça, et si les dents partent avec, il n'y a pas de problème. Il dit, voyez ces constructions. C'est pas moi, hein? C'est pas moi qui ai fait ça. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et toutes les constructions étaient brisées. Et le maître lui-même est venu donner son corps pour rebâtir. Il y a un temps dans la vie où ta vie spirituelle, ce qu'on appelle la volonté permissible de Dieu. Dieu te laisse le servir par tes sentiments, par ta façon de faire, ta façon de prêcher, ta façon de ceci. Il y a un temps, il dit, monsieur, tu prêchais à Jean, tu prêchais, m'as-tu vu, tu prêchais ceci. Maintenant, prêche ma volonté absolue. Au départ, tout le monde commence toujours par ses sentiments personnels. Mais il y a le grand combat commence quand Dieu te dit mes sentiments et non tes sentiments. Il y a deux choses. Soit tu acceptes le brisement, soit tu rentres en arrière. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'église parce qu'ils disent que non, on ne me fait pas ça. Ce n'est pas de ta faute. Tu as refusé le brisement. Ce que tu ne sais pas, en rentrant, tu vas recommencer encore. Le pasteur chez qui tu iras, s'il est appelé, il va te faire recommencer. Donc le fait de rentrer en arrière ne t'arrange pas les choses. Toutes les fois, tu commences à parler de toi. Moi, on ne me dit pas. Moi, on ne me fait pas. Moi, on ne me fait pas. Mon ami, c'est parce que tu refuses le brisement, non? Pas. Le Dieu, s'il t'a vraiment appelé, il va mettre devant toi une autre personne. Il va te dire la même chose, même prophétie. Combien de personnes sont allées de l'église à l'église? On fait que dire, tu es serviteur de Dieu, il fuit. On fait que dire, tu es serviteur de Dieu, il fuit. Tu es encore venu ici. On dit, tu es serviteur de Dieu, tu vas encore fuir. Fuis, il n'y a pas de problème. Pas. Pas. Qui a dit que serviteur de Dieu, c'est prêcher, onction, tomber, argent, voiture, et gloire, jet privé. Serviteur de Dieu, c'est brisement. Quand on va, c'est brisement. Quand on va, c'est brisement. Philippiens 2, tu connais? Il s'est humilié lui-même. Et en vous, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Tu veux réussir ça par cœur parce que tu veux la fin. Dieu l'a sûrement élevé. Non, ça c'est. Il y a des prérequis de l'élévation. L'humiliation d'abord. Pas des hommes, mais de Dieu. Dieu t'impose l'humiliation. Et quand Dieu t'impose l'humiliation, il lui-même choisit qui va t'humilier. Tu comprends ça? Quand Dieu t'impose l'humiliation, il choisit qui va t'humilier. Parfois, c'est la personne dont tu as horreur. Dieu dit que c'est lui qui va t'écraser. Donc celui qui prend la pierre, il va te marcher dessus. Et tu laisses. Tu ne peux pas. Tu nous vois prêcher là, non? Non, on n'a pas commencé comme ça. On a été humilié. Même jusqu'à présent. Tu vois quelqu'un qui t'insulte. Tu dis, hé Seigneur. Et oui, c'est ça. Accepte l'humiliation. Voyez-vous ces constructions, dit Jésus. Il ne resterait pas pierre sur pierre. On ne pourra pas méditer sur tout. Mais Dieu va faire grâce. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.
C'est moi qui suis le Christ. Église. Le drame de l'église, ce n'est pas de parler du diable. Ce n'est pas de combattre le diable. Ce n'est pas d'arrêter le diable. Le problème de l'église, c'est qu'on a détourné l'attention du peuple de Jésus. On a mis l'attention du peuple sur l'homme. Lorsque notre message, notre façon de faire est concentré, est dirigé vers l'homme, l'humain, et non sur Jésus, c'est fini. On est à côté. Si le diable se présente devant vous en disant je suis le diable, vous allez fuir. Maintenant, il est passé par une autre façon. Il vous parle de l'homme. Il laisse l'homme. Le moi. Toutes les fois où tu es dans le moi, tu es sataniste. Moi, moi, moi. Tu es dans le satanisme plus plus. Je l'ai giflé. Moi, je l'ai doté. J'ai doté 3-4 millions. Et elle a osé me parler fort. Non, je l'ai giflé. On ne me parle pas fort. Moi, un digne fils d'une dé. Elle m'a parlé fort devant ma mère. Je l'ai giflé. Pasteur, la Bible ne dit-elle pas? Femme, soyez soumise à vos maris. Tu es dans quoi? Dans moi. Tu es digne, tu es noble. Tu es élégant. Mais tu n'es pas brisé. Il y a une dimension quand tu acceptes le brisement. Elle te parle. Tu dis, Seigneur, le Rhum sauve les gens. Les autres te disent, le gouvernement sauve les gens. Mais toi, tu dis, le Rhum ne se sauve les gens. Si c'était encore moi de l'époque, c'est que la petite chose, on ne respire pas dans la maison aussi. C'est qu'il a cassé deux dents. Et là, tu sens que Dieu t'a brisé. Je t'arrive pas au niveau là. Mais tu es toujours, je suis le boss, je suis le chef, je suis le ceci. Tu es à côté. Tu as l'église, mais tu bagarres avec ta femme à la maison chaque jour. Dans l'église ici, madame, tu es mariée là. Ton mari te bastonne, viens me voir. Je vais prêcher sur lui, je vais le lever ici. On va faire son brisement ensemble. Répète après moi, monsieur le mari. Je ne bastonnerai plus ma femme. Mets-toi à genoux devant l'église. Eh, le royaume est difficile. Tu es ancien d'église, tu tapes ta femme. Comme les femmes, vous êtes bizarres là. Il te tape, tu ne viens pas me dire. Dieu va me révéler. Mais arrêtez ça. On ne peut pas prêcher aux gens, ils ne changent pas. Il y a un frère, il vient me dire, non papa, non, elle est trop têtue. Toi-même, tu es comment? La femme est le reflet de l'homme. La femme est le miroir de l'homme. Si tu vois une femme têtue, c'est que son mari, c'est le professeur de la têtutesse. Si tu vois une femme aigrie, c'est que son mari, c'est le producteur de l'aigreur. C'est lui qui l'a rendue comme ça. Donc quand tu veux te plaindre de ta femme, mon ami, retourne-toi sur toi et dis ce que tu as fait sur elle. Quelqu'un a dit, si tu veux que ta femme soit un ange, fais de son environnement un paradis. Les anges habitent dans le paradis. Donc c'est à toi de faire qu'elle devienne. C'est à toi de faire qu'elle se sente à l'aise. Alléluia. Amen. Non, dis à ton voisin brisement. Dis à ton voisin brisement. Tu dois arriver à un niveau, te piétine, tu ne ressens rien. Tu dis seulement le royaume sauve les gens. Vas-y, même ma bouche sur toi. Non, ta bouche est brisée, on a cassé les dents. Alléluia. Une nation se lèvera contre une nation, verset 7, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors vous le vivrez, on vous livrera au tourment. Elle n'a pas dit qui est. Même vos propres frères vont vous livrer au tourment. Dans l'église, dans vos familles. C'est la fin des temps. Et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Qui vous a dit, Église, que le monde peut vous aimer? Peut-être au début des temps, mais à la fin des temps, il ne peut plus nous aimer. C'est ce que le Père a prédit. On ne va pas aimer vos pasteurs. Hein. Ils vont seulement calculer une erreur du pasteur pour finir avec l'Église. C'est à vous de rester fort. Tout homme peut tomber. Tout homme peut faillir. C'est à l'Église de le soutenir. C'est à l'Église de le motiver.
Je disais à quelqu'un tout à l'heure, un ami qui m'appelle du Mali, comment est-ce que cette actualité, qu'est-ce, comment tu vois ça? Je lui ai dit le plus, moi je suis une personne qui aime anticiper. Je lui ai posé la question, après ça, à qui le tout? Quand ça va arriver sur ton pasteur, tu auras les mêmes réactions là. Quand ça va arriver sur ton prêtre, tu vas toujours juger comme tu juges là. C'est là où tu vas me sortir le verset, le juste tombera sur ça. 7 fois, il va se révéler 8 fois. Ils sont très forts pour sortir les versets pour justifier quand c'est leur genre. Mais quand c'est l'autre, qui vous a dit que le monde peut nous aimer? Qui vous a dit que le monde peut nous acclamer? Quelqu'un du royaume, tu sais que c'est une personne du royaume et dans les problèmes, tu mets le feu dedans. Aïe, chrétien, pasteur. Grand prêtre Josué, Satan l'accusait. Moïse est tombé dans l'affaire. Colère. Élie fut devant Jézabel. Ah, là sont les grandes figures du réveil mondial, international. Jimmy Chouaga. Certains ne le connaissent pas. Lui, c'est une ancienne époque. Il a prêché l'évangile des foules. Mais il a fini bizarrement. William Branham. Il prêchait, la nuée apparaissait en pleine église. Il marchait, la nuée de Dieu marchait sur sa tête. Il avait une notion terrible. Mais il a fini bizarrement. Et quand vous écoutez des vieux pères comme Benny Hinn dire priez pour moi, je suis un homme. À 65 ans, je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Toi, tu n'es que jeune, tu viens d'apprendre 2 versets, tu commences à parler fort, tu parles fort, tu es qui? Quand je vois ces jeunes qui viennent de connaître la Bible là, parler avec le zèle, Dieu nous va susciter une nouvelle génération. Des gens qui ne vont pas être des dimovores. Ils ne vont pas détruire le peuple. Ils ne vont pas vendre l'eau. Ils ne vont pas vendre l'huile. Ils ne vont pas se dire, hey, papa, tu es théoricien, tu seras pratiquant bientôt. Les théoriciens là, sortez de les chambres, sortez de Facebook, venez sur le terrain. Venez sur le terrain. Cette nouvelle génération, oh, Billy Graham n'a pas fait ceci. Ce que vous ne savez pas, si Billy Graham n'a pas fait en public, il l'a fait en secret. Tu connais ce que les présidents donnaient à Billy Graham en secret? Et pendant qu'ils prenaient leur argent, ils leur apprécient l'évangile, ils sont sortis des loges. C'est ça qui est louable. Vous pensez vraiment qu'une personne qui ne vend pas l'eau, il ne vend pas l'huile, mais va prendre l'argent sataniste sans lui prêcher la nouvelle naissance, lui c'est lui qui est bien? Vous pensez que c'est ça qui est bien? Vous comparez quoi même dans ça? Soyez un peu équilibré dans votre façon de raisonner. Quand je lis les jeunes, on est jeunes, mais il y a des jeunes jeunes et des jeunes vieux. Le jeune jeune, c'est celui qui parle seulement. Il voit un monde parfait là que lui peut faire en 5 secondes avec sa bouche. Mais quand il va aller sur le terrain, il va devenir calme. Il va comprendre que tu prêches bien. 5 personnes ne viennent pas à l'église. On m'a parlé d'un bishop, il est à l'église ici à Yaoundé. L'église est belle, bien construite, mais il n'a que 8 personnes. Oui, c'est ça. 8. Dans 8, il y a lui et sa femme. Donc il y a c'est combien? J'enlève encore. Il enlève les enfants. Il y a l'homme de Dieu invité. Dans l'église, il y a 2 personnes. Il prêche bien. Il va justifier que non, ceux qui ont la foule, ceux satanistes, laisse ça. Ça t'a dépassé. Si sataniste a la foule, le vrai doit avoir 2 fois la foule. Toute personne qui justifie sa médiocrité par sataniste est en face. C'est que lui, il a alors un pire villageois, un pire médiocre. Quand je vois ce qu'on appelle sataniste être dans la réussite, ça me donne la motivation de réussir 2 fois. Yes. Oui. Si vendeuse de piment achète voiture, toi qui ne vends pas concombre, achète camion. Quel est le Jésus qui donne tout? Jésus donne l'argent, Jésus donne le mariage. Marie-toi. Jésus donne le visa. Où est ton visa? Si la vendeuse de piment a le visa, bénis Dieu pour sa vie, ne la juge pas. Si elle te dépasse, si la vendeuse de piment te dépasse, porte son sac. J'aime pas voir les aigris. Les aigris sont toujours en train de dire les autres. Ils ont des très belles publications sur internet pour les j'aime. Quand le j'aime finit là, tu te reviens dans la réalité. Comment s'église? Le bailleur te dit 400 000 loyers. Il faut payer 1 an. Là, tu comprends. Oh Jésus béni, dis ça et l'agent s'envoie.
La théorie là, hein. La théorie là, hein. Faites attention. Je parle à ceux qui sont connectés ce soir. Faites attention. On vous embrouille avec les mots. C'est Dieu qui fait grâce. Notre théorie pouvait nous donner tout ça. En moins de 3 ans, on a 2 télé, on a une chaîne de radio. Quelle théorie peut faire? C'est Dieu, la grâce. Tout ce que Baba de la Zappel fait sortir à Jean de quelqu'un. Quelqu'un qui a la voix la gueule comme moi, là, quelqu'un peut, qui veut te gueuler, tu l'encontres ton argent. Ce n'est pas Dieu qui peut faire sortir ton argent, c'est moi qui peux faire encore sortir ça. Il y a des gens, tu finis de prêcher, les nerveux. Il dit, c'est bien comme le soir là, je ne reviens plus. Mais il revient encore demain. Ce n'est que Dieu qui peut te ramener à quartier l'église ici. Il y a des pasteurs qui flattent parce qu'ils disent, hey, papa, si je ne parle pas comme ça, ils ne vont pas venir demain. Mais moi, je peux même flatter, ma bouche est toujours tordue pour dire un genre. Et tu reviens toujours. Et tu donnes. Et on fait les choses. C'est pas Dieu, c'est qui? La grâce. Yes. Le jour où je vais commencer à vous flatter, je ne serai plus avec Dieu. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu m'a appelé comme ça. Une seule me voit, oh papa, je n'ai pas vraiment, quand tu parles de nous là en public, tu sais, les anciens ont fait. J'ai dit, écoute, toi tu marches avec moi depuis au moins 7 ans, 8 ans. Tu sais que même si je te dis, maintenant je ne veux plus parler, tu veux parler devant, non? Donc comme tu finis de te plaindre là, demain je vais te saboter en public encore. Et tu ne vas pas partir. Donc même si je te dis que demain, non, il n'y aura plus ça, je vais faire. C'est comme ça que je suis. Alléluia. Arrête ça. Il y a trop de théoriciens et vous aimez ça. La nouvelle génération, les gens qui sont vrais. Seul Dieu est vrai. Et c'est sa vérité qui doit nous remplir. Ce n'est pas le bavardage. Yes. Il y a des bons bavards. Ils sont des hypocrites. Église, ceux qui critiquent la richesse là, si on leur donne, ils vont refuser. Jamais. Ceux qui critiquent d'être privés là, on donne, ils vont refuser. Tout le monde devait la belle vie. Tout le monde veut être frère. Tout le monde veut être bien. Tout le monde. Hey. Satan a convoité le poste de Dieu. Jésus est venu se salir sur la terre là pendant 33 ans. Il a dit, tant 4 ans, je ne veux pas, je repars. Pas qu'il s'assoit sur le trône. Oui, c'est sa vie. Il y a un temps pour la souffrance, un temps pour la gloire. Amen. Toi, tu dis, non, moi j'aime, j'aime. Quel, tu aimes quoi? Tu habites dans la maison quand il pleut. Tu marches avec la cuvette dans toute la maison. Tu arrêtes l'eau ici. Tu arrêtes l'eau ici. Tu arrêtes l'eau là-bas. Tu arrêtes l'eau là-bas. Et quand tu regardes à la télé, les gens qui sont bénis, tu dis, ah, les Illuminati, c'est l'aigreur qui te dérange. Je te délivre de la jalousie au nom de Jésus. Amen. Dieu va te donner ta part au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, Dieu va te donner pour toi au nom de Jésus. Amen. Eh. Tous les pasteurs qui sont riches sont des francs-maçons. Tu es pauvre, mon frère, laisse ça. Franc-maçonnerie, c'est petit niveau. Nous, on dépasse ça. Amen. S'il y a une secte qui dépasse, qui a un nom plus fort, donne-nous le nom là. Ne dis pas qu'on est franc-maçon. Ça, c'est zéro. Tu me dégrades à franc-maçon, que c'est quoi? Tu me fais boire le sang humain, que c'est quoi? Moi, boire le sang de Jésus qui est plus frais, dangereux. Yes. Mais je veux boire le sang des enfants, des gens qui ont le sida, des gens qui ont le cancer. Je bois son sang comment? C'est qui ça comme ça, même? Oh, ils sont francs-maçons. Ça, c'est les faux trucs. L'église, il ne faut pas, c'est donc qu'on te dégrade quand Dieu te bénit. Non, dis pas ça. Dis à la personne que oui, je suis dans la secte, c'est vrai. Je suis en secte, c'est vrai. Mais ne donne pas les petits noms rosicruciens, francs-maçons. Ah, c'est rien ça. Soit les enfants. Ils vont faire les réunions en secret, ils se cachent et tout ça. Ils mentent même, ils embrouillent. Ils font tout est secret. Moi, je suis dans une secte bizarre. Le gars, depuis 2000 ans, il est parti. Il est loin là-bas, mais ses effets sont tous sur la terre. Yes. On appelle son nom, il y a effet. Yes. On appelle son nom, il y a résultat. Yes. On appelle son nom, il y a guérison. Yes. On appelle son nom, il y a élévation. Yes. On appelle son nom, il y a bénédiction. Yes. C'est Jésus. Jésus. La secte de Jésus. Yes. C'est dans ça que je suis. Mmh. Et je m'en vante. Yes. Voilà. Voilà. Moi, je me vante parce que j'ai Jésus. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Avant le faux prophète, parce qu'il veut parler des faux prophètes tout à l'heure. Et vous allez être choqués. Verset 10, on lit. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Voilà la partie de l'église. La trahison à l'église. Entre pasteurs, on se trahit.
Entre frères à l'église, on se trahit. Entre frères, même père, même mère, on se trahit. J'ai vu des histoires. Un gars avait épousé une fille. C'est sa soeur qui n'a pas dit au gars que ma soeur n'est pas bien. Si elle te raconte l'histoire, moi j'ai entendu dans mes oreilles, tu vas, ta tête va exploser. La soeur va dire au gars que ma soeur, c'est ma soeur, non? Il dit oui. C'est ma soeur, non? Il dit oui. C'est ma soeur, non? Il dit ça trois fois. Hey! La chair de poule. Je te dis alors que ma soeur n'est pas bien. C'est toi qui es bien. Et le gars revient dire à la fille qui lui veut épouser que maman, tu as quelle qualité soeur comme ça? Parce que ne pense pas que c'est en dénigrant la fille que le gars va la laisser. Il y a même des gars bizarres que plus on dénigre, c'est lui qui s'attache. Plus on dit qu'elle est Jézabel, c'est là le gars signe. Mieux tu dis même qu'elle est ange, ça même fait peur. Parce qu'on est tellement habitué au dénigrement que plus on dit Jézabel, plus ça donne encore l'envie. Quand on peut voir Jézabel, elle commence à donner même là-bas dedans. Quelle est cette femme qui a pu contrôler tout un roi? C'est qu'elle a quelque chose. Ils se haïront entre eux. Église, on a amour. Hein? L'amour du Père, amour agapé. Amour agapéo, amour qui pardonne tout, amour qui excuse tout, amour qui supporte tout, amour, 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 qui excuse tout. Mais on réussit à se haïr. Église, j'ai dit aux anciens, aux ouvriers, c'est dans une autre église que vous allez faire ça. Ici, chapelle de la grâce, je ne vais jamais permettre que les gens prospèrent ici dans la haine. Tu n'es pas d'accord, change d'église. Il y a des choses que Dieu m'a dit en tant que leader de cette église. Ça ne peut pas passer ici. Il y a les étapes, je te laisse faire. Je te laisse faire. Mais un temps, je dis non, c'est pas possible. Église, l'onction Dieu nous a donnée à des conditions. Dieu m'a dit en commençant le ministère, Proverbe 4, verset 23. Je le récite à tout enseignement. Ça peut vous amuser, ça peut vous énerver, vous pensez que je vous attaque. C'est trop petit, moi je ne peux pas vous attaquer. Je suis venu pour attaquer le diable. Je ne peux pas attaquer un homme. Je ne peux pas attaquer une femme. Mon combat n'est pas de vous humilier ou vous attaquer. Dieu m'a dit, garde ton cœur, Paul-Zan, plus que toute autre chose. Ne déteste jamais quelqu'un. Ne haïs jamais quelqu'un. Ne convoite jamais quelqu'un. Ça, c'est des choses que chaque jour qui passe, je bagarre pour rester dans ce standard. Il y a des pasteurs, Dieu leur a dit autre chose. Mais chapelle de la grâce, je vous dis ce que Dieu nous a dit. L'onction voulait se manifester, si ce n'est pas magie, ce n'est pas miracle, ce n'est pas exceptionnel. C'est parce qu'on a respecté ses principes. Vous voyez l'apôtre avec qui je marche là, il ne connaît pas convoité. Ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui le connaissent savent ce que je dis. Simple, naturel, vrai. Deux personnes marchent tel ensemble sans être convenus. C'est pas l'orgueil qui nous a amenés là, c'est la simplicité. Et quand Dieu va faire des choses dans nos vies dans 2, 3, 4, 5 ans, on va dire, eh bien, ce sont les satanistes. Mais vous ne connaissez pas par où on est passé. Parce que c'est tout ce qu'ils peuvent dire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Église, ce verset-là, c'est 23 ou 22, je ne sais pas. S'il te plaît. 23. S'il te plaît. S'il te plaît. Ton cœur est précieux pour retenir quelqu'un qui n'en vaut pas la peine à l'intérieur. Des nuits blanches. Je veux me venger. Et qui est? Dieu dit à moi la vengeance. Tu vas te venger sur qui? Il y a des gens que tu détestes là. Si tu apprends demain qu'ils sont morts, tu vas m'encore pleurer le premier. Oui. Il y a des gens que tu hais. Si tu apprends qu'ils sont morts, tu vas pleurer encore plus que tout le monde. Parce qu'en fait, tu les détestais pas, mais le diable t'utilisait mal. Ils vont se trahir entre eux, ils vont se détester. Oh Jésus, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Plusieurs faux prophètes s'éleveront et séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes. Les faux prophètes, ce n'est pas seulement ce qu'on dit là dehors. C'est ce qui attire l'attention sur eux et non sur Jésus. C'est ceux qui parlent plus d'eux et non de Jésus. Ils peuvent venir te prêcher ce que tu aimes entendre. On fait la liaison. Actuellement, au Cameroun, on ne veut plus entendre miracle. On ne veut plus entendre prophétie. Alors, je vais vous prêcher la parole de gentillesse. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit à ces personnes? Quand on te prêche ce que tu veux entendre, on n'est pas loin du faux. On ne s'est pas flatté. Dieu, parfois, nous conduit
dans les messages qu'on n'a pas préparé. Parce que on n'est pas là pour prêcher pour nous, on est là pour prêcher pour lui. C'est lui qui connaît la soif de son peuple. Comme on sait que tout le monde va virer, tout le monde va aller, alors on va dans le sens de tout le monde. Non. Donc faites attention avec affaire de faux prophètes là. Tout le monde dit ça. Faites attention, votre pasteur là, oh mon pasteur, oh ceci pasteur, ce n'est que des mots. Les critères qu'ils utilisent pour nous traiter le bon pasteur, c'est trop léger. Qu'on est dans le fond, on voit l'objectif de tout un chacun. L'objectif d'un vrai prophète, c'est de sauver les âmes et non guérir les gens et non délivrer. D'abord sauver, et en sauvant, ça guérit. En sauvant, ça délivre. En sauvant, ça bénit. En sauvant, ça marie. En sauvant, ça élève. Donc, quand on sauve les âmes, le salut, sotéria, dans salut, il y a toutes ces choses. Vous venez à la chapelle de la grâce depuis des mois, tu n'es pas baptisé dans l'eau, tu viens chercher qu'ici. Tu viens à la chapelle de la grâce, tu ne t'investis pas dans les choses de Dieu, tu viens faire quoi ici? Voilà l'objectif d'un vrai prophète. Ce n'est pas celui qui te dit tel est faux, tel est faux, tel est faux. Ce n'est pas lui le vrai. Le vrai, c'est celui qui parle de Christ. Le vrai, c'est celui qui présente Christ. Le vrai, c'est celui qui fait en sorte que Christ soit formé en vous. Voilà le vrai prophète. Donc rassure-toi, toutes les fois que tu écoutes un homme de Dieu, rassure-toi qu'il te pousse à aimer Christ, il te pousse à vivre Christ, il te pousse à marcher avec Christ, il te pousse à écouter Christ, il te pousse à obéir à Christ. Voilà le vrai prophète, c'est tout. Tout ce que vous racontez là, miracle c'est rien. Parce que même vivre c'est un miracle. Marcher c'est un miracle. Manger c'est un miracle. Alléluia. Je dis alléluia. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. Les gens qui avaient le bon cœur ici, ils deviennent aigris. Pourquoi? Les gens qui aimaient donner pour l'œuvre, on m'a dit, pas derrière, l'argent là, tu crois même qu'on fait quoi avec ça? C'est prévu. C'est prévu que dans l'église, des gens viennent vous dire, pas derrière, ne donnez plus. C'est prévu que dans l'église, Satan vient te souffler, ne donne plus. Depuis que tu donnes là, tu es aujourd'hui. La charité du grand nombre va se refroidir. Des gens qui aimaient entendre qu'une âme a été sauvée en faisant des sacrifices, en allant évangéliser, en participant pour la télé, des gens la changent carrément. Ah, quand même, si on ne peut pas dire, ça fait quoi? On m'a appelé aujourd'hui pour me dire on a une facture chez un câbleur dans la ville ici de 150 000. Donc, celui qui produit notre signal, qui a mis l'antenne ici en haut et qui dispatche aux autres câbleurs. Il y a des personnes qui sont insensibles à certaines choses. Insensible. Et puis quoi? Si c'est son problème. Mais il y a 2 mois, il commence à se battre. Que non, Seigneur, notre église, non, Seigneur, ton œuvre. Mais subitement, il devient. Ah, on s'en fout. C'est pas de ta faute. C'est prévu. Des gens qui sont dans des églises, ils combattent la femme du pasteur comme c'était sa coépouse. Tu as ton mari à la maison, hein, mais tu viens à l'église bagarrer avec la femme du pasteur. Les choses qu'on a vues dans les églises, hein, j'ai pas compris. Ton mari te dépasse. Ton mari, il a au moins 7 copines dehors. Tu n'as pas encore réussi à prendre tout son cœur. Mais tu viens à l'église. Tu deviens la capitaine de l'équipe des opposants de Mamie Pastor. Hey! Elle a encore porté qu'aujourd'hui. Papa. Les talents que tu connais là, non? Avec notre argent. C'est quelle femme de pasteur qui change les coiffures chaque jour? Après, on nous dit qu'il n'y a pas l'argent pour le courant de l'église. Et tu connais sa coiffeuse. Elle coiffe à 25 000 par jour. Donc, tous les sacrifices qu'on fait là, les 5 premières personnes là, c'est la coiffure de la madame. Et l'autre qui est fou là-bas dit en bon, hein, ok, je fais maintenant sacrifice de 500. Je te parle ici, ça va pas commencer, vous allez voir, non? Je te dis, dans les églises, la sorcellerie pue, c'est dans l'église. J'ai dit, si tu prends le téléphone de certaines personnes, tu ouvres, mais ça, on est qui compte de pasteur, tu vas tomber en syncope. Je te parle, je connais. Les gens les plus rapprochés par du pasteur sont les plus intrigants dans l'église.
Mais je le connais, non? Et que c'est mon type. Et si ton type, on était ensemble où? Et qui? Ton type comment? Pour que sa parole ait de l'impact sur toi, il dénigre d'abord le pasteur. Il réduit d'abord le prophète à zéro. Après, commence à parler. Et tu écoutes attentivement. Église, la charité de plusieurs se refroidira. Où est passé ton premier amour? Subitement, tu deviens tiède. Subitement, tu réduis ta façon de servir Dieu. La fin des temps. Quand on dit Maranatha, Jésus revient bientôt, il y a des signes. Les gens vont se haïr, les gens vont haïr l'œuvre, les gens vont arrêter de donner dans l'œuvre, les gens vont arrêter de s'investir. Vous pensez que tout ce qu'on, les scandales que le diable soulève là, parfois par nos erreurs, parfois par les erreurs de l'entourage, c'est pourquoi? C'est pour refroidir la charité de plusieurs. Il y a beaucoup de personnes qui s'étaient investies dans l'œuvre pour donner. Mais quand ils apprennent que les pasteurs mangent l'argent des chrétiens, les pasteurs construisent les maisons avec l'argent des chrétiens, les pasteurs achètent des voitures avec l'argent des chrétiens, ça les énerve. L'objectif de Satan, c'est de t'empêcher de donner. Et qui ne donne pas n'est pas béni. Tu ne donnes pas pour pasteur. Tu donnes parce que tu aimes l'œuvre de Dieu. Tu ne donnes pas pour la femme du pasteur. Comment subitement l'amour de Dieu que tu as et qui te poussait à donner se réduit à une froideur à cause de la femme du pasteur? Comment tu fais ça? C'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Si ton frère à l'église en dedans, toi sors de ça. Il y a des gens qu'on ne peut pas changer, ils sont comme ça. Mais toi, tu as ton voisin, mais moi, je change. Mais moi, je dois aimer le Seigneur. Dis ça bien, je dois aimer le Seigneur. Je dois faire la volonté du Seigneur. Je dois marcher dans les voies du Seigneur. Je dois obéir au Seigneur. Dis amen bien. C'est pourquoi verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin viendra, il viendra, Maranatha, si et seulement si la bonne nouvelle du royaume est prêchée dans le monde entier. Grâce à Internet, on peut prêcher dans le monde entier. C'est pour ça qu'on dit de partager. Partage encore. Tu perds quoi à partager? Tu veux seulement partager qui est la délivrance? C'est pas la délivrance qui donne le salut, c'est la nouvelle naissance. C'est la parole. On peut faire un culte comme celui-ci, on ne fait pas de délivrance. Même qu'on aura une délivrance demain. Et tu, quand tu es chargé de la parole, tu es béni par la parole. Tu vas encore la réécouter même sur Internet. Tu prends même la prédication gratuitement, tu vas écouter chez toi encore. Ça te fait du bien. Nous devons nous habituer à ça, église. J'ai vu dans les églises, lorsqu'on ne fait pas de délivrance, il y en a même plus que demain. Là, tu vas dire, il faut arrêter ça. Ça, c'est l'immaturité, c'est le bébéisme spirituel. Ah, il n'y a pas eu l'onction aujourd'hui, moi pas demain. Tant que tu n'es pas venu ici demain, tu vas me trouver dans tes rêves demain nuit. Dis à ton voisin, fire. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Le lieu saint, c'est dans l'église. L'abomination dans l'église. Église. À la réunion de samedi, j'ai fini avec ça. Dieu m'a dit de vous dire que ceux qui vivent en concubinage cherchent à se marier. Que ceux qui vivent maritalement sans être mariés cherchent à se marier. Le salaire du péché, c'est la mort. On ne va jamais justifier le péché. J'ai prêché ça à la fin pour que les gens ne se déconnectent pas. Si je disais ça au début, ils devaient tous se déconnecter. Les gens vivent en bain. Maritalement à cause du froid, mais ne se marie pas. Dis à ton voisin, c'est le péché. Les gens disent non, c'est mon gars de l'église, donc c'est moins de péché. Dis à ton voisin, le péché, c'est le péché. Parle ça bien, dis le péché, c'est le péché. Quand vous verrez, lis-moi la partie là bien. Le lecteur est possédé ou envoûté ou
Envoie un peu le sang de Jésus sur le lecteur. Le sang de Jésus sur le lecteur. Lis maintenant, lis maintenant. Je crois qu'il est chargé maintenant. Parce que je crois que c'est lui, il est combattu, il y a les flèches qui sont en train de diriger contre lui. Lis. C'est pourquoi. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, oui. Que celui qui lit fasse attention. Église, vaut mieux entrer au ciel manchot que d'entrer en enfer avec ses deux mains. Je ne suis pas en train de te condamner ou de te juger. Je te dis, prions que Dieu nous aide. Prions que Dieu nous aide. Dis à ton voisin, le copinage, c'est le péché. Tu n'as pas parlé. Non, tu n'as pas parlé. Attends, on recommence. C'est la fin de la prédication. Donc, tu n'as pas besoin de t'énerver. J'ai fini de parler. Touche le voisin. Dis ma soeur ou mon frère, dis. Amen. Bon, quelqu'un me dit, moi j'ai pas de copine, mais j'ai la poupée gonflable. Ok. Bon, pourtant, on ne sait pas comment faire ta délivrance. Parce que là, on va mélanger l'huile, le sel, l'eau et le caillou, le mouchoir. La boue. La clé. Oh, Jésus. Alléluia. Église, quand vous verrez la désolation de l'abomination en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Nous avons pris pour challenge que au moins 10 à 20 mariages soient célébrés dans cette église cette année. Amen. Si tu n'es pas marié, tu dis amen, tu seras dedans. Amen. Donc nous entrons dans un chantier où on va trouver ton gars. On va trouver ta femme. On va trouver ton conjoint. Le Seigneur va te donner ta part. Amen. On a légalisé l'impudicité quand même dans l'église. On a légalisé l'impudicité dans l'église. On dit non, mais attends, tu sais, il y a tellement de femmes sur la terre et vous savez, un homme pour cette femme, donc en même temps, on ne sait jamais, tout le monde ne va pas se marier dans l'église. Dis à ton voisin, je ne suis pas tout le monde. Dis-lui, même si tout le monde ne se marie pas, moi je dois me marier et moi je vais me marier. Bon, si tu es dans la salle et que tu as un copain, tu fais comment? Entendons-nous ce soir avant de partir. Je m'assois comme Jésus s'est assis sous l'arbre, sur la montagne. Je suis en train de finir le message, ne t'énerve pas contre moi, on n'a pas de problème. Je suis ton ami. Dis à ton voisin, le révérend c'est ton ami. Alléluia. Amen. Donc, il y a deux ou trois, quatre types de personnes. Le premier, c'est que ce sont les délinquants. Ils n'ont pas intention de se marier, mais la copine. Toi, je vais te taper. Donc quand je parle là, c'est pas toi maintenant, il fasse son numéro pendant que je parle. Là je suis nerveux, même comme je ris quand même. Là, je suis nerveux spirituellement. Tu es un délinquant, tu veux pas épouser la fille là, c'est pas toi maintenant. Ma soeur, tu connais qui veut t'épouser, qui veut pas t'épouser, ne me dis pas que le Seigneur va tuer son cœur. S'il n'a pas touché hier, il n'a pas touché aujourd'hui. Séparation, dis à ton voisin séparation. Dis fort séparation. C'est une prophétie, pendant que tu dis ça, il y a séparation automatiquement. Et pendant que tu dis séparation, ton vrai gars vient, dit séparation. Pendant que tu dis séparation, ton vrai mari vient, dit séparation. On a le travail, dis à ton voisin au travail. Demande-lui s'il aime encore le révérend. Donc le premier type de gars, ce sont des délinquants. Il sait qu'il ne va pas t'épouser, mais il te dérange. Et toi, tu aimes ça. Les filles sont des sorcières. Je me lève d'abord pour parler d'elles. Demain je prêche parce que c'est la porte qui prêche. Donc il n'y aura pas ça demain. Donc je finis avec vous aujourd'hui. Donc je m'assois encore. Amen. Alléluia. Donc le premier type de gars, ce sont des délinquants. Ils viennent te perdre le temps. Ils viennent dire, oh Seigneur, Dieu m'a parlé de toi. Je t'ai vu dans mes rêves. Et je voyais comment Dieu t'a tiré vers moi. Je ne sais pas trop. Et à un niveau le rêve s'est arrêté. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je n'en pense rien, sorcier.
C'est-à-dire qu'il vient te mettre suggestion dans la tête pour que tu commences à penser ça. Amen. Deuxième type de personne, il a l'intention, mais il est dans la galère. Dis ouais bien, dis ouais bien. Amen. Je prophétise. Toute personne sous le son de ma voix, yes, qui a intention de se marier mais qui n'a pas d'argent, cette année Dieu te bénit au nom de Jésus. Amen. Je dis Dieu t'enrichit au nom de Jésus. Amen. Je dis tu reçois l'argent pour la dot au nom de Jésus. Amen. On dit amen fort. Amen. Mon frère, une femme ne peut pas t'aimer si tu es ngémé. Elle va t'aimer pour un début, après la galère va faire, va tourner ses yeux par prophétie vers un gars qui a l'argent. Je dis ça encore bien. Mon frère, si tu n'as pas l'argent, la fille qui t'aime là maintenant, c'est pour un temps. Après, l'amour va sécher. C'est l'argent qui entretient l'amour chez les femmes maintenant. Quelqu'un a dit, laisse-moi te raconter les histoires. Quelqu'un a dit, si tu veux qu'une fille n'arrête pas de t'appeler, demande-lui de te prêter l'argent. Quand tu as l'argent d'une fille dans ta poche, elle va t'appeler 24 sur 24. Si tu, l'une autre personne a dit, tu donnes rendez-vous à une fille et tu tardes pour qu'elle t'attende. Dis-lui, je suis à la banque. Les vraies filles ont compris ce que je veux dire. Donc, si tu dis à la fille, je suis à la banque, elle sait que tu peux prendre les choses. Que l'argent va sortir du mur. Et quand tu vas venir la voir, tu vas donner sa part dans ça. Donc, l'amour est entretenu par l'argent. Même si tu n'es pas d'accord, il y a des spirituels qui sont connectés. Je m'en fous. Donc je t'impose à tous les frères, Dieu vous enrichit cette année. Amen. Dieu vous bénit cette année. Amen. Dieu vous équipe cette année. Amen. Et une troisième catégorie, pour eux, ça fait pitié. Il a engagé les motivés, mais la belle famille ne veut pas. Il y a des sorciers dans la belle famille. Et pendant que je suis assis ici, je prophétise. Yes. Toute personne sous le son de ma voix, yes, qui est combattue par la belle famille, yes, je prie pour toi ce soir. Tu as la victoire dans ce combat au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, tu te maries au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, tu obtiens ta femme au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, tu obtiens ton mariage au nom de Jésus. Amen. Il y a des soeurs ici. Ton oncle bloque les mariages. Ton oncle bloque les dots. Ton bon corps refuse qu'on vienne toquer. Pendant que je suis assis ici, yes, que ce soit toqué, que ce soit doté, yes, que ce soit marié, yes, j'autorise ça spirituellement dans ta vie. Amen. Je prophétise. Yes. Cette année, yes, tu vas être toqué. Amen. Tu vas être doté. Amen. Tu vas être marié. Amen. Je prophétise. Yes. Tu seras toqué. Yes. Tu seras doté et tu seras marié. Je recommence. Yes. Je prophétise. Yes. Tu seras toqué. Tu seras doté et tu seras marié. Je prophétise. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Cette année, c'est ton année. Amen. Le Seigneur te sort du péché. Yes. Le Seigneur te met dans ton foyer. Amen. Le Seigneur te met dans ton mariage. Amen. Tu accoucheras tes enfants. Amen. Et tu auras tes petits-enfants après. Amen. Je prophétise. Yes. Ma Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Yes. Je te déconnecte de ce froid agressif. Amen. De ce froid agressif. Amen. Et je te mets dans ton mariage au nom de Jésus. Amen. Je te mets dans ton mariage au nom de Jésus. Amen. À cette église. Yes. Lorsque tu verras la désolation de l'abomination sur le lieu saint, ça dit que le Seigneur arrive. C'est le Seigneur qui, c'est le diable qui bloque les mariages. Mais on va débloquer mariage demain. Donc demain, on aura la clé du mariage. Yes. Demain, on va donner la clé du mariage. Après ton mariage, tes soeurs vont se marier. Amen. Oh, après ton mariage, tes enfants vont se marier. Amen. Après ton mariage, tes cousines vont se marier. Amen. Je prophétise. Yes. Tu auras la clé du mariage. Amen. Tu auras la clé du mariage. Amen. Oh, dis amen fort. Amen. Assieds-toi. Lève tes mains pendant que tu es assis. Père, je prie pour cette parole, que ton église soit édifiée et que le péché quitte l'église et la sainteté s'installe. Au nom de Jésus, amen. Acclame Jésus bien ce soir. Acclame Jésus bien ce soir. Acclame Jésus bien ce soir. Si c'est Jésus, tu acclames comme ça, c'est que tu as un problème. Acclame Jésus bien ce soir. Amen.